Vendredi 17 mai 2019. C'est mon dernier jour complet à Marseille. Pour faire cet épisode, j'ai presque 1 heure et demie de rush. Impossible de tout monter. J'abandonne des séquences entières. Impossible pourtant de ne pas montrer la rue d'Aubagne. Prendre le temps de filmer les visages des disparus. On croise quelqu'un et on voit tel qu'il est, et c'est, si on y pense, c'est assez phénoménal de ne pas voir la personne telle qu'elle a été, qui n'est pas une espèce de dimension supplémentaire qui permettrait de voir la personne qu'on a devant nous dans ce qu'elle est réellement, dans notre esprit. On n'a pas uniquement l'âge qu'on a, on a tous les âges à la fois. Moi, je parle, j'ai 10 ans, j'en ai 20, j'en ai 30, et c'est toujours moi. Tout ça est présent tout le temps. On est sans arrêt pour la fameuse phrase de Faulkner, hein, le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Donc on occupe toutes les temporalités, peut-être le futur également d'ailleurs, même si on n'en a pas conscience, mais en tout cas, cette espèce de vertige devant le temps et devant ce qui a fait que chacun est ce qu'il est, l'épaisseur temporelle des êtres, bon, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas comment dire. Hein, qui... Dernier matin, je prépare ma valise, je filme l'appartement et je pars très en avance, comme si je n'avais plus rien à faire ici. En chemin, pour rejoindre l'aéroport, je filme un peu tout, comme pour retenir la ville. Je ne garde rien ici.
recommandons de lire la notice de sécurité placée devant vous et vous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Pour une fois, survoler le lac de Grandlieu, moi qui en fais le tour depuis des années. Nathalie maintenant à l'aéroport et nous rejoignons la gare de Nantes où nous avons rendez-vous avec Michel Brosseau. J'ai plus de batterie. Ça marche plus ? Ah si, bon, je vais me lever. Nous ne savons l'un de l'autre que ce que montrent nos journaux filmés. C'est notre première rencontre. J'ai pourtant l'impression de le connaître, comme lorsqu'on retrouve un ami perdu de vue depuis longtemps.